Ouvrir de nouvelles perspectives dans les rapports avec l'Union européenne et avec le monde entier. Nous sommes entrés aujourd'hui dans une nouvelle phase de l'histoire. Il nous faut de nouvelles idées. Il nous faut également de nouveaux concepts. Et quelles nouvelles idées? Nouveaux idées et surtout permettre à la société civile, qualifiée de civile depuis le 18e, mais permettre à être un acteur politique actif. Et c'est un acteur politique actif, ce n'est plus la définition de Hegel ou de Gramsci ou de n'importe quel autre philosophe. C'est une nouvelle société. Et d'ailleurs, le monde entier est entré dans une nouvelle ère dans cette histoire. Soyons au rendez-vous avec cette nouvelle histoire. Monsieur le Président, vous proposez une dictature. Qu'est-ce que vous répondez, s'il vous plaît? Monsieur le Président, vous répondez-vous à vos opposants qui vous accusent de dérive dictatoriale? Comme l'a dit un jour le général de Gaulle, c'est pas à cet âge que je vais commencer une carrière de dictateur. Merci, c'est gentil. Il n'y a pas de détente possible. Merci. On a un engagement, s'il vous plaît. Il n'y a pas de détente politique possible. S'il vous plaît. On a un engagement. Il y a des issues, il y a des pourparlers, il y a des négociations. Je suis constitutionnaliste, je ne peux être que rappeler à l'État de droit et des institutions. Merci, c'est gentil. لكل المشاهدين معنا الأحضر هذه القمة الأفريقية الأوروبية ليتحدث عن الأسباب التي أدت بنا إلى هذه الأوضاع ولنتحدث عن وسائل جديدة يمكن أن نتجاوز بها هذه الأوضاع أكثر من 60 سنة أكثر من 70 سنة والأوضاع تسوء تحصلنا على استقلالنا ولكن لابد أن يكون هناك تعاون على قدم المساواة بين جميع الأطراف. بخصوص العلاقات مع المغرب.